nous leaders de la mobilisation de Wakitama, nous vous demandons, dans le souci de sauvegarder les acquis démocratiques, et nous demandons à la population de ne pas sortir pour la manifestation prévue pour le 14 juillet 2023. Comme vous le savez, le Tchad a récemment fait face à des défis politiques et sécuritaires majeurs avec le décès tragique du président Idriss Déby Itno dans des circonstances difficiles. Les autorités de transition ont pris très vite en main la responsabilité de guider le Tchad vers un avenir meilleur, raison pour laquelle un conseil militaire de transition CMT est mis en place avec comme président le général Mamad Idriss Déby Itno. Nous tenons à saluer son courage et son engagement envers la stabilité, la démocratie et les progrès au Tchad. Il a rapidement mis en place un gouvernement de transition inclusive qui reflète la diversité de notre nation et qui est ouvert au dialogue avec toutes les parties prenantes. Nous reconnaissons également les efforts déployés par le président de transition pour renforcer l'état de droit, promouvoir les droits de l'homme et lutter contre l'injustice. Et ces mesures sont essentielles pour rétablir la confiance entre le gouvernement et le peuple tchadien.